Donc, mais c'est cyclique, le sommeil. Il y a des phases de notre vie où ça va mieux que d'autres. Il y a des âges où c'est pas pareil non plus. Puis on a parlé des l'alcool, effectivement. Bon. Les pilules. Le café, toutes sortes de substances comme ça. Le sexe aussi. Oh mon Dieu, on l'avait oublié. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est à peu près le seul somnifère qui fonctionne à 100%. Non, mais ça, c'est pas... Pas pour toi. C'est-à-dire dormir après ou pendant ou... Dormir après, ça. Le sexe à deux, obligatoirement, ou ça peut être le sexe à trois? J'ai pas vérifié. Un petit sexe, là, en privé, là. Donc... Mais en fait, une des choses aussi pour que le sommeil soit bon, c'est que le lit ne serve qu'aux deux S. Ah oui. Le sommeil et le sexe. Ah oui, donc pas de sieste. Non, mais faites pas les pingouins. Là, on apprenait que les pingouins jugulaires font 10 000 siestes par jour. C'est pas une bonne idée, ça.